Bien alors, une fois sur notre navigateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer sur le site de PayPal. Voilà, PayPal. Ok. On va cliquer sur le premier lien, envoyer de l'argent, payer en ligne ou configurer un compte. Et une fois que le site est ouvert, vous aurez le PayPal de votre pays. Voilà, le PayPal de votre pays. Bien, comment je sais ça? C'est simplement en regardant sur la barre d'adresse. Voilà, vous allez voir là www.paypal.com/cm. CM, pourquoi? Parce que je suis au Cameroun. Voilà, l'acronyme du Cameroun, c'est CM. C'est pour ça que vous voyez là paypal.com/cm. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va changer de pays et prendre un pays européen de préférence. En l'occurrence, la France. Voilà, l'acronyme de la France, c'est FR. Donc, on va marquer là-bas FR. Voilà. Ensuite, on lance. Ok, et là vous avez le PayPal français ouvert. Vous pouvez remarquer que l'interface est différente et c'est à partir d'ici qu'on va ouvrir un compte. Compte particulier, ça ne dérange pas, continuer. Et là vous pouvez déjà remarquer que le pays a été sélectionné comme étant la France. Voilà, la France. On va leur remplir nos informations pseudo personnelles vu que qu'elles sont, on va dire, fausses. On va mettre prénom Dozo. Et au nom, on va mettre Zongo. Voilà. Concernant l'adresse mail, vu que c'est juste un test, c'est juste une vidéo tutoriel, je vais prendre une adresse mail temporaire. Voilà. Donc je vais me rendre sur le site TempMail. Voilà. Attendre d'avoir une adresse mail temporaire que vous voyez là en haut. Et je vais la copier. La copie, CTRL C, et je viens dans le champ d'adresse mail, je la colle. Concernant le mot de passe, on va mettre un truc plutôt simple, on va mettre POPOPO, coup de fois, et vu qu'il faut un chiffre, on va mettre 1. Voilà. Donc mon mot de passe, vous pouvez voir là, c'est POPOPOPO 1. Voilà, c'est un mot de passe hyper sécurisé en fait. Donc après ça, suivant. Le test qui ne manque jamais sur aucun site d'ailleurs, le test du captcha. Donc on vérifie s'ils ne sont pas des robots, on ne sait jamais. C'est pas un robot, ok. Et là, encore plus de données, parce qu'on doit renseigner le numéro de téléphone. Et vu que je suis Cameroun, j'ai pas de numéro de téléphone français. Donc je me rends sur un site de réception de messages. Je vais prendre le numéro français là. Voilà, je le prends, je le copie encore, CTRL C. Et je le passe ici. Ligne d'adresse 1, on va mettre Limoges. Limoges, bon, Cedex 4. Bon, je suis pas sûr que cette adresse existe vraiment. Hein. C'est juste là pour un test. Code postal de Limoges. On va aller sur Google chercher code postal Limoges. Voilà, en l'occurrence ici avec 87 000 comme code postal. Qu'on marque ici 87 000. La ville Limoges. Encore que je suis même pas sûr, je sais même pas si Limoges c'est une ville. Donc. Bon, date de naissance, il faut juste se rassurer ici que à partir de cette date de naissance, vous ayez plus de l'âge légal pour avoir une carte bancaire. Voilà, donc là j'ai mis 1990, c'est plus sûr. On va cocher toutes les cases, rester connecté et je certifie avoir l'âge légal là. Voilà, vous pouvez déjà voir pourquoi je vous parlais de cette précision pure. Donc on va valider et ouvrir le compte. Une fois que c'est fait, on écrit déjà en haut là, comme vous pouvez le voir, vous avez ouvert un compte. Et maintenant, voilà, vous avez des modes là, acheter avec PayPal, envoyer de l'argent, mais c'est pas nécessaire. Ce qu'on va faire, nous, c'est se rendre en haut à gauche, voilà, et cliquer sur le logo de PayPal. Parce que, en fait, notre compte est déjà ouvert. Voilà, vous pouvez le voir là. Ça, c'est l'accueil du compte Dozo que je viens de créer. Vous voyez, bonjour Dozo. Voilà. Ouais, tout ça, et on va vérifier notre solde en cliquant sur l'onglet portefeuille. Et vu qu'on vient de créer le compte, naturellement on a 0€. Voilà, donc c'est tout, hein. C'est tout pour ce tutoriel là. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment tout. Changer de pays et cliquer sur le bouton PayPal contenant le lieu de la carte.
Donc, si tu as apprécié la vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Tu lâches un gros pouce bleu, puis tu t'abonnes. Et n'oublie pas, en t'abonnant, la cloche de notification, c'est hyper important. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine.